C'est l'erreur du penalty. Et hop. Et c'est goal. Et c'est goal. L'aventure continue. Eh ben, hello, bonjour à tous et bienvenue pour la suite de Spyro, la Reignited Trilogy, Spyro 2. Alors par contre, je fous ça là, voilà, désolé pour les bruits de cordon. Hop, et on y va tout de suite. Ouais, la dernière vidéo, on avait fini The Fear. Et il était temps d'aller... Il n'y avait pas deux circuits, d'ailleurs. Ouais, il me semble qu'il y avait deux circuits, ouais, j'en avais fait un et pas le deuxième. Ouais. Je sais pas, il me semble qu'il y avait un truc... Ah merde, comme ça, c'est pas tout de suite. Faut que je vais vérifier parce que j'ai un doute. Alors, ah non, c'est bon, j'ai fait les deux circuits, c'est bon. Alors, il y avait la colline du Fel qui ont été faites. Ah, Paul et Breeze. Alors, Terre de Skrillos, il a été fait. Glacier de Cristal, il me semble qu'il aurait été fait. Hein. C'est ça, Zephyr, il aurait été fait. Cool. Franchement, j'aime bien cette ambiance là, franchement c'est vraiment beau. Bon, par contre le soleil est vraiment assez grand, hein. Ça on est d'accord. Mais voilà, le port de Breeze, après Zephyr, port de Breeze, forcément les deux pays en guerre. Ah, on le fait dans la bonne humeur là, hein. Entre les deux là, c'est... on se tire à la bourre, on se fait la guerre. Faites la bière, pas la guerre. D'accord, on a des monstres de saut lama. D'accord, c'est un concept. Mais j'adore ces ennemis. Je les trouve tellement géniaux. Tout simplement pour une raison en fait. C'est con, c'est simple. Et ça me fait tellement triper à chaque fois. Regardez. Ouais. Ils vont y aller à deux, hein. Mais... Comme ça, eux ils viennent à deux, et moi je scratch les deux, tout d'un coup. Et voilà. Et hop, maintenant je peux faire ça tranquille. Et tout simplement parce qu'ils font ça, je trouve ça drôle en fait. J'aime bien. C'est fun, ça ressemble... Ça sert à rien. Mais c'est... Ça me fait triper, voilà. Ça me fait triper même... même à mon âge, je sais. Comme dirait l'autre, il en faut peu pour être heureux. Ah merde, c'était pas un ennemi ça. Ah désolé. Oh, et... Alors lui, il a une belle épine. Ah, c'est... Oh. Attention, Bulle. Attention, monsieur Bubule. Ouais, attention, monsieur Bubule, voilà. En plus, il a un sacré réservoir à bulles, hein, quand même. On va pas se mentir, hein, il a un sacré réservoir à bulles. Il se cache. Tu me vois? Tu me vois plus. Tu me vois? T'es censé plus me voir là, voilà. Tu me vois? Tu me vois plus. 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 Tu le fais cramer. Donc du coup, là, bon, le chemin il est simple. Hein. Vous avez ça. Vous avez une tête. Vous avez des... Vous avez un missile. Ouh là, alors là-bas. Est-ce que je peux déjà l'exploser là-bas? J'ai un doute. Ah oui! Ah que bah ouais! Oh, je tire, mais dans les vents. Non, pas dans les vents, parce que c'est pas la même chose. Ah ouais, ah ouais. Alors là-bas, je vais pas me faire prier pour l'exploser. Mais t'es sérieux en plus, grand? Ah ben voilà, quand même, hey. Ça sert pas à grand chose, mais je trouve ça tellement fun à chaque fois. Oh, bah vas-y, c'est bon. Je vais le buter moi-même en fait, ça irait plus vite. Dans un vel, bata moi-même. Alors par contre, comment je suis censé atteindre cet endroit, moi? Attends. C'est pas si compliqué, PF. Merde. Le papillonnage, Spyro, le papillonnage. Voilà. Le papillonnage, c'est sacré.
papillonnage, c'est comme le feu, c'est sacré. Eh oui. Il y a un truc là, on est d'accord, voilà, mais oui. Faut le porter à ébullition quand même, hein. Bon, je sais pas ce qu'ils sont en train de cuire là, mais. Ah, peut-être du poulet, oui. Du poulet de Zéphyr, ce serait cool ça. Après, je suis pas forcément poulet, je vous avoue. Ouais. Le banc poulet, c'est vraiment pas ce que j'apprécie le plus. Enfin, vraiment, tout ce qui est un peu filamenteux, c'est vraiment loin d'être mon truc. Vraiment loin d'être mon trip. Surtout en fait au niveau de la texture. Pas pareil. Je l'aime bien, il a une bonne tête. Il a une bonne tête. Hein. Oh. Ah. Eh bah tiens. Ça t'apprendra, grand. Yeah, bonjour. Et voilà, et j'apparais derrière le feu. En même temps, que Spyro se crabe, ça serait un peu la loose. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, un dragon qui... qui est fragile du feu, c'est un peu les... c'est un peu débile. Ah, mais oui. Les patapoufs ont dispersé ces mines métalliques partout dans le port. Si tu peux toutes les supprimer, je te donnerai l'orbe que j'ai pêché hier. Pas de soucis, on va défoncer tes patapoufs. Bon, par contre, les patapoufs... on va les appeler les amis de Miranda. Hein. Bref. Ah oui, c'est lui qu'il faut que je défonce, c'est ça. Alors, attendez. C'est bon, il a pété. Normalement, il me semble qu'il en reste encore. Ah, y'a que ça. Y'a que ça. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Comment on peut avoir que ça? Ah. Oui, c'est bon. Alors j'aurais dû chanter Trimartolode, mais ça va pas le faire. Déjà parce que j'ai pas fait le breton troisième langue. Ni quatrième, ni deuxième, et tout ce qu'il veut. Et pourtant, j'aime beaucoup cette chanson. Pause. Désolé. Mais... quand le boulot vous appelle, c'est un peu compliqué. Mais c'est pour la... ah, mais il y en a deux en plus! Ah, mais c'est bien ça. Bon, par contre, si je pouvais essayer de pas viser à côté, ce serait cool. Voilà. Si on pouvait viser juste, ce serait pas mal. Voilà, techniquement, là, ça explose quand même. Merci, Spyro. Voici l'orbe que j'avais promis. Il vient du fond des océans. Et non pas du fond de ta gorge. J'essaie de le gratter un peu, mais ça le dérangeait pas, donc bon. On essaie de rendre service, puis voilà comment on va commencer avec une simple orbe. Bon, je suis content. Un simple orbe. Alors là, il suffit d'attendre que ça revienne. Alors là, franchement, en vrai, c'est génial ce truc-là. C'est rien, hein, ce petit bateau volant. Ou voilant plutôt, puisqu'il y a une voile. Mais je trouve ça tellement classe. Oh! Mais voyons. Depuis quand? D'où? Hein? Et pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Là, voilà. Bon, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien. Quand on vous dit que Sparks oublie des joyaux partout, c'est vrai en fait. Hein. C'est pas une impression, hein, c'est vraiment la vérité. C'est la vérité vraie de chez vrai. Déjà ça on a failli oublier aussi. Blup, 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 blup. Oh, j'en oublie. Mais aïe. Mais j'en oublie, c'est pas possible. Hein. 11. Eh. Non mais il y a quelque chose, ça va pas. Mais Sparks, tu le fais exprès. Mais au bout d'un moment c'est de la... c'est plus de la fainéantise, hein, Sparks. Ah, oui. Bah oui, ils ont oublié un petit truc. J'allais dire. Alors, on pourrait se contenter du chemin facile, hein. On va tenter le chemin difficile. Parce que
que peu d'entre vous l'osent quand même, le chemin difficile. Eh voilà, eh! C'est bon, hein. Tiens. Wouh! Le pauvre, c'est terrible. Mais alors, je trouve ça tellement plus simple, plus cool de faire dans ce sens-là, vous voyez. Le type se casse le cul à le faire dans l'autre sens. Et ça rajoute du skill. Oh là, attention, parce que ça... Non! Ah, t'as de la chance, parce que si ça passait pas, j'aurais passé pourquoi, moi? Parce qu'en plus, alors... Il y avait des voleurs dans le... Il y avait des voleurs dans le 1, ah, bah maintenant il y a des... Ah bah, le rebond! Le rebond! Il est goal! No! No, je te dis. Regardez, oh... Alors ça pourrait être un... Là, j'ai eu peur. Avec le vide, l'espace à l'instant, je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Mais non, ça va. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire, hein, désolé. Quelle chance que tu sois venu! Ma machine est cassée et les rouages dont j'ai besoin pour la réparer sont dispersés partout. Tu peux sauter sur ce chariot et les récupérer pour moi? Oui, bien sûr. Alors, par contre, repose. Et voilà. Bien. Désolé, en même temps... Les aléas du travail. Bref, du coup, on y va. Ah, alors... Ah, mais ça tire... Ah, mais c'est à prise rapide, donc. Ah non, mais c'est à prise... C'est un tir rapide, j'adore ça. Un problème avec le chariot, hein? C'est pas avec le problème, c'est pas avec le problème que j'ai un chariot, bien sûr. C'est pas avec le chariot que j'ai un problème. Oui, oui. Alors désolé, je parlais peu, j'essaie vraiment de m'amuser en fait là-dessus. Hop. Oui. Aïe aïe, c'était pas assez vite. En fait, t'as pas besoin de tirer. PF, tu n'as pas besoin de tirer maintenant. Pour maintenant, voilà. Ça ne te sert à rien de tirer, ça ne sert à rien de spammer. C'est juste pour la... le plaisir là que tu tires. Hein. Je vous le dis, parce que sinon... vous dites, mais pourquoi il le fait? Ça sert à rien. Bah oui, je le sais. Je le sais pertinemment. Oh merde, ah oui mais là t'avais pas besoin de tirer non plus PF. Je sais bien que t'as envie de t'amuser mais c'est pas une raison. Aïe aïe, bon plus ça sert à rien, non j'ai pas de problème. Tout va très bien hein, bon. Voilà. Pas de problème hein. Ok plus que ça d'ailleurs, que j'ai un problème. Mais le type, il y a des moments. Je me pose des questions, hein, faut pas vous... je vais pas vous mentir. Parfois, il faut aussi se poser les bonnes questions. C'est ça. C'est bien beau de se poser les questions si c'est pas les bonnes. Et c'est vrai ça en plus. Hein. C'est bien beau de se poser des questions si c'est pas les bonnes. Oh la vache! Vous avez vu ce que vous me faites faire, vous? Mais vous avez vu ce que vous me faites faire? Non mais t'as vu un peu ce que tu me fais faire? Quand même, hein. Par contre, à force de faire des karaokés dans la voiture, j'ai la gorge qui me... qui l'embête, hein, du coup. Mais... Attends! Mais c'est dégueulasse! Mais c'est un scandale! Et va te faire entuber! Oh, attendez, je peux même... En vrai, au départ, j'ai tellement pas besoin que je peux pas tranquille, quoi. Alors là, je vous avoue, j'étais un peu réticent. J'ai dit non, mais ça passe pas, la PF. Et pourtant, si. J'ai un problème avec le... Nine!
un problème avec les TNT. Les TNT, oui, les TNT. Les teneteux. Les teneteux, oui, les teneteux. Alors, bref, du coup, on continue, on continue. Vas-y, mon Spyro, continue, tu auras l'air d'un chasseur. En parlant de chasseur, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, hein. Allez, voilà, ding 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 ding. Ding 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 ding. Ouais, ça passe, grand-mère. Oui, ça passe, grand-mère. Me demandez, il y a des moments, ne me demandez pas, ça ne sert à rien. Je ne suis pas sûr non plus d'avoir la réponse, donc. L'un dans l'autre. Pas Miranda non plus, mais. Bref. Attention, voilà. Et c'est goal, et c'est goal. Pas encore le goal parfait, mais pour l'instant c'est goal. Mais c'est n'importe quoi! Mais c'est n'importe quoi, mais. Mais. Cette fois-ci c'est la bonne, je vous préviens. Cette fois-ci c'est la run gagnante! TNT, je sais que je dois les exploser, mais enfin, en même temps, vous voyez à la dernière seconde. Moi, je veux bien, hein. Au bout d'un moment, c'est scandaleux. C'est un scandale. Alors, du coup, je balance les missiles, mais partout. Quoi. Ah, il pleut des missiles là, c'est Happy Birthday to you. C'est pas ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave, ça me fait un peu. Sortir de nos sentiers battus. Et puis il y en a deux non plus, je vois. Mais en fait, vu qu'il y en a deux, bah c'est compliqué. Ouais, le problème c'est que si je repars par là, ça va faire moi. Eh oui. On dirait l'autre. Oh bah oui. Du coup, là on part à gauche. Pétard! Pétard, mais ça passe! Oh là là, mais c'est pas possible! Mais c'est un scandale! Bienvenue dans le scandale! J'ai jamais regardé cette série en plus. Attention au teneteux! Moi non, mais je sens que toi, tu vas en avoir un problème. Tu vas te le faire tout seul quand même. Hein. Ah, je dis ça, je dis rien, mais il va se le faire tout seul. Hein. Ouais. J'aime bien quand j'appuie à gauche et qu'il y va pas. J'adore. Et je vous épargne le j'adore. Et c'est là que je vous. Déjà, je prends de l'âge et de deux. Pas sûr que tout le monde connaisse. Je crois que c'est Philippe Catherine, c'est ça en vrai. Oh, désolé, la France. La française chanson, ça fait deux. Ouais, la française langue aussi, ça fait deux, c'est ça. De toute façon, tout le monde sait que la française des langues, c'est Mandalir. Hein. Mandalir, elle tourne sa langue cette fois dans sa bouche. Mais c'est parce qu'il y a autre chose dedans, quoi. Ah non, bref, non. Alors, je m'excuse pour celle-là, vraiment. Elle est... D'accord. Pourquoi pas. Certes. Allez, reste à gauche. Et le problème, c'est que tu... T'es obligé de me...
Non mais il me fait sauter, ce qui fait que je zappe le truc. Enfin c'est scandaleux, c'est scandaleux. On se concentre, c'est la dernière. Je l'ai dit, c'est le dernier. Oui. Je sais. Ah, par contre, ça me fait mal. Aïe aïe. Bon, est-ce qu'on peut au moins le finir ce niveau, Spyro? Ce serait génial. Sinon, on est parti pour le faire en. Enfin, une vidéo pour. Un niveau pour une vidéo. Hop, on peut en faire un et demi. Vous voyez? Il y a les grands sauts. Est-ce qu'il y a les grands sauts et les petits sauts? J'ai l'impression que oui. Mais ça t'éva. Je testais la différence entre les sauts. J'y peux rien. Bon. Ça dépend. S'il y a une différence entre les sauts, il y a forcément une différence entre Mario Music et moi. Je déconne, Mario. Je déconne. Il y en a un qui est plus intelligent que l'autre, je vous laisse forcément deviner lequel. Bon, en général, c'est celui qui réussit. Voilà. Donc c'est Mario. Qui va bien d'ailleurs, hein. Je vois celui-là, il va très bien. Hein. Il va très bien, Mario. Voilà. Ding 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 ding. Ta grosse. Putain! Faudrait que je la coupe au montage, celle-là. Je suis en train de craquer. Je vous avoue, je suis en train de craquer. Bon, ça s'est peut-être déjà vu à la base, vous me direz. Ça s'est peut-être déjà vu à la base. Et alors là, la pause du suspense. Ah oui, je vous la fais celle-là. Eh ben, on y retourne déjà, voilà. En fait, je pensais pas. Ça, du coup, ça permet un peu de... de me poser entre le... pendant le niveau, ce qui est pas mal. Reste à gauche, à droite plutôt, hein, là... maintenant on confond la gauche et la droite, ça va plus, ça va plus. Rien ne va plus, faites vos jeux. Faites vos jeux. Et pour les personnes âgées, c'est... rien ne va plus, faites vos vieux. Oh là là. Ah bah voilà, la connerie sur les vieux, ça passe pas. Voilà, il y en a une blague, il y a une blague qu'il fallait pas, vous voyez, hein. On a fait la mandalire, ça passait crème. Mais la blague sur les vieux, ça passe pas. Ah, c'est dégueulasse. Ah non, mais c'est scandaleux. C'est pas parce qu'on se prend une dizaine dans la gueule bientôt que ça va... on doit se considérer comme vieux. Enfin, si on fait, si. Quand vous prenez un an, ça va, hein. Mais quand vous prenez une dizaine supplémentaire... ça fait tout de suite beaucoup plus mal. Oui. En fait, il y a des caps. Il y a des caps. Il y a le... au-delà de 18, hein, il y a les 20. Forcément, le 25. Le 30. Le 40. J'en oublie ça. Je suis en train de vous faire le numéro du loto. Pourquoi le 25 déjà, hein? Parce que le quart de siècle, forcément. Le 30, le 40, parce que c'est les dizaines, forcément. Le 50, surtout parce que c'est le demi-siècle. Et que celle-là, elle fait quand même vachement mal. En plus des 25. Et après, bon, il y a les... et après, c'est que du bonus, quoi. Passer 50 ans, c'est que du bonus, quoi. Vous dites, je suis encore en vie, c'est cool. Non, je déconne. En vrai, si je pouvais ne pas tenir jusque... si je pouvais pas finir vieux, vous voyez, ça m'arrangerait. Voilà.
Oui, c'est drôle, hein. Enfin, c'est drôle. J'ai toujours ce lien un peu particulier comme ça avec, avec la vieillesse. J'ai pas du tout envie de vieillir. Ah non, mais finir comme je sais que je vais finir, j'ai pas envie. Donc, voilà. J'ai envie de mourir jeune. Oui, c'est drôle, hein, c'est dingue de se dire ça, mais ouais. J'ai pas envie de m'éterniser. J'ai pas envie de m'éterniser. Vous voyez, je pense à mon bilan carbone quand même. Si je reste plus longtemps, mon bilan carbone sera moins bon. Oh là là. Le type, mais. Alors, je ne sais absolument pas ce que j'ai pris, hein, mais je peux vous assurer que la purée était bonne pourtant. Ah merde. Concentration. Il y a con et centre dans la même vidéo, dans le même mot. Donc bon, au bout d'un moment, ne pas aller droit au but en étant con, hein, un peu plus compliqué. J'allais en faire une, mais je vais voter parce que celle-là, je me fais incendier. Mais c'est drôle de se dire ça alors que le type il vient nous faire une blague dégueulasse avec Mandalire. Where are the 6? Gauche. Yes! Excellent travail, Spyro. Je peux commencer à réparer mes machines. Prends ça. De toute façon, je n'ai plus de place dans ma boîte à outils. Sans problème. Ça s'est passé, mais alors, comme une lettre à la poste. Du premier coup, c'est génial. Ah, je pensais pas, hein. Vraiment, Je m'étonne moi-même de réussir ça du premier coup. Ah non, mais en vrai, il y a du progrès, hein. Ouais, il y a vraiment du progrès. Ah, c'est que du bonheur, hein, vraiment. Je trouve ça vraiment. Je m'étonne. Je m'étonne moi-même. Et paf, la tapette. Voilà. La tapette à mousse. Eh, mais au fait, mais je peux pas aller plus haut. Maintenant. Merci. Attendez, mais il n'y avait pas quelque chose, non. Mais. Attendez, mais il y a vraiment quelque chose qui me perturbe là. Eh, comment je fais pour grimper, Spyro? Comment je fais pour aller en haut? What the? Il y a quelque chose qui m'échappe vraiment. Comment je fais pour aller là-haut? Ou alors il m'en manque un, c'est peut-être ça aussi, ouais, peut-être qu'il m'en manque un. Pas faux, ouais. Est-ce qu'il nous en manquerait pas un par hasard? Quand je vous dis que ce niveau, c'est un peu le niveau de la lune, ça, parce que bon. Ah, j'allais dire, j'ai 400 sur 400, non, tu rigoles. Plein de total, c'est ouf. Bon, j'ai les deux machins, mais il manque 73, quoi. C'est énorme, pour moi, c'est énorme. Ouf. Ouais, non, bah non, parce que j'ai tout. J'étouffe, Spyro. Aide-moi. Ouais non, si tu veux pas sortir par là, donc ça sert à rien. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien, ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Grave.
Ah bah attendez, déjà en plus j'ai oublié des joyaux là-bas, donc c'est pas bon du tout. Ah mais non, il était là lui, voilà, mais oui. Mais oui, mais oui. Mais oui. Voilà. Et comme il en reste là-haut et que je peux pas parce que j'ai pas le machin, et bah voilà, j'en reviens là, putain. Désolé pour tout ce cirque, Spyro. Nous sommes victimes d'une invasion de patapouf. D'abord, ils ont éteint le feu de nos chaudières, et ensuite, ils ont arrêté notre navire. Ah non, même pas, t'es celui du début, toi, encore. Oh là 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 là. Ah non, mais le type, il est aux fraises. Aux framboises, plutôt, parce que je préfère les framboises aux fraises. Enfin, en fait, j'adore tout ce qui est fruits rouges. Hein. Fraises, framboises... Peut-être un peu moins les mûres, quand même, c'est pas faux. Mais... je suis tellement fruit. Tellement fruit rouge que... Oh là là. Non, en ce moment, je suis vraiment plus framboise. Hein. Les yaourts, c'est framboise d'abord. Avant, c'était plus... c'était vraiment fraise. Maintenant, c'est vraiment framboise d'abord. Ouais. Bon. Donc, t'es gentil, Coco, mais... t'as toujours pas compris, moi. Le type, il a fait le jeu, il a fait l'original des dizaines de fois. Et là, il sait plus. En vrai, c'est juste dingue, quoi. C'est juste dingue. Non, mais il y a quelque chose, là, c'est pas possible. Ah mais oui. Voilà, mais oui, je suis con. Je savais bien que ça servait à quelque chose, c'est creux. Voilà, et lui du coup il vole. Il volo. Voilà, il volo, forcément. Et du coup, on va volo jusque là-bas. Oui. Alors ça sert à rien. C'est que de la déco, mais... du coup, on va devoir nous faire voler plus haut. Voilà. Et du coup, on arrive enfin dans cette zone, c'est cool! Quand même, hein! Alors, je te passe derrière, désolé. Enfin, mais alors, je te crame le drapeau avant parce que vous m'avez fait chier. Merci d'avoir relancé notre navire, Spyro. Nous pouvons continuer notre contre-attaque sur Zephyr. Prends ce talisman en gage de notre gratitude. De rien. J'ai envie de vous avoir aidé. Ton encre, tu peux te la mettre où je pense. Allez, salut. On se casse de là. Genre au moins 100%, je suis content. Loto, à quel tour? Bah écoutez, à quel tour? Ben, à Spyro, mais dans la prochaine vidéo, donc bisous bisous, à la semaine prochaine, bisous, bye! Salut Spyro! Non! Non mais oh!